Claude, qui est spécialiste de la musique rock. Un s'appelle Claude Rajotte, l'autre s'appelle Edgar Fruitier, et je vous laisse deviner lequel est lequel. Puisqu'il avait 12 ans,
sur le podium en train de diriger, qu'il y en avait 12 mois dans la salle en train d'écrire. C'est vrai? Oui, oui. Et ça, c'est un concert que je n'ai jamais pu oublier parce qu'il y avait là cette espèce de victoire de l'enfance sur une montagne à franchir. T'sais? Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais pu oublier. Parce que je me dis, si le fait lui, peut-être que dans mon domaine, je pourrais arriver à le faire. Bon, mais je ne savais pas que ce serait le théâtre. Hein? Effectivement. Claude, un disque rock, ton disque rock préféré, t'en as combien chez toi, au fait? En vinyle, 8000 à peu près, puis en compact, à peu près 6000 peut-être dans ce coin-là. Donc 14000 disques. À peu ton près. Ton préféré là-dedans. Ça. Mon préféré. T'en avais un amené sur la fameuse île déserte. Ça serait un disque des Beatles, Sgt. Pepper's probablement. Les Beatles, c'est mon groupe préféré. Mais tout le monde répond ça en général. Non, mais c'est parce que si tu veux, je te dis, les Beatles, c'est comme les Mozart de leur époque. C'est de la très haute qualité pop. Ils ont fait de tous les Beatles dans leur carrière. C'est ça qui est important. Sur le même disque, t'as des violons, t'as du rock, ça brasse. Mais s'il y a un des. Ça serait, c'est l'album classique fétiche, mais je pourrais te nommer un Hendrix aussi, si tu veux. Tu sais, Jimi Hendrix Experience, qui est excellent, mais. T'sais. Mais vous, M. Fruitier, c'est. Votre Sgt. Pepper, c'est quoi? C'est très difficile de dire ça parce qu'il y a tellement d'œuvres que j'aime. Je pense que j'apporterai avec moi du Bach, d'abord, et je pense que ce que j'apporterai serait une longue œuvre de Bach, puisque bon, il y en aurait plus. C'est un disque, il a dit. Oui, un disque. Oui. Ça serait, en parenthèse, je vous bats à pas de couture pour le nombre de disques. Ah oui, vous en avez combien? 40 000. Oui, vous êtes beaucoup plus vieux que moi. Écoutez, c'est depuis 17 ans. À ce moment-là, vous n'aviez même pas découvert le rock. À 19 ans, vous l'avez découvert, comme vous disiez, dans votre Non, c'était à 14 ans. Non, j'ai été à un show rock, mais j'ai découvert le rock avant ça quand même, quand j'avais 13-14 ans. Mais si on va vérifier vos connaissances tout de suite après la pause, parce qu'on va faire un quiz de musique avec Claude Rajot et Edgar. J'ai des questions à poser, moi aussi. Vous les poserez en temps et lieu. Pas de problème, on vous revient dans 2 minutes. Et Claude Rajot. Messieurs, c'était simple, je vous pose une question et vous répondez. Vous répondez. Sauf que pour corser la chose, je vais poser à Claude Rajot des questions sur l'opéra et à M. Fruitier des questions sur le rock. Est-ce qu'on peut souffler des réponses? Non, mais vous allez avoir un droit de réplique. Et comme on est à TQS et que c'est très cheap, vous allez marquer les points avec votre doigt. Alors, Claude Rajot, quelle est la plus longue pièce pour piano jamais composée? Est-ce que c'est le concerto pour un nain de André Gagnon, Combattons l'arthrite de Dr. Albert, le piano bien accordé de Monte Young ou l'organe mal accordé de Lucien Hutu? Oh mon Dieu, c'est un décompte. Oui, non, c'est là. C'est. Exactement, c'est la bonne réponse. Sais-tu combien de temps il dure? 18 minutes 40. 4 heures, 12 minutes. Alors, tu marques un point. J'étais absenté, j'ai été au dépanneur. Tu l'as raté. Tu marques un point avec tes doigts, tu restes comme ça jusqu'à la fin de l'émission. Monsieur Fruitier, oh là là. Complétez une des citations les plus connues de l'histoire du rock du journaliste John Lando. I saw rock and roll future and its name is Milli Vanilli, Olivia Elton John, Francis Martin ou Bruce Springsteen. Je peux-tu prendre des quatre? Non. Vous en souhaitez. Moi, je le sais. Moi, je le sais. Alors, écoutez. Je vais dire Francis Martin. Francis Martin. Savez-vous qui est Francis Martin? Pas du tout. C'est Francis Martin, c'est un chanteur québécois. Ah eh bien bon? Non, la réponse, Claude, est-ce que tu as le droit de répondre? Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Je sais même pas qui c'est. Claude, tu te rajoutes un doigt. Claude rajoute. Quel est l'opéra le plus court? L'opéra pour un nain de André Gagnon. Fausse de Gounod et Bousquet. Fausse. De Pavarotti. Oui. Et The Sands of Time de Simon Rees et Peter Reynolds. Moi, je dirais D. Y a donc ça, toi. Eh bien, oui. Combien de temps dure-t-il? Le plus court. Oui, l'opéra le plus court. Je crois que c'est 51 secondes. 3 minutes 34 secondes. Et en même temps. Toujours un bout. Et 3 minutes 34 secondes, c'est aussi le temps de l'éjaculation précoce la plus longue. Alors. Merci beaucoup. Il est très fort, hein? Monsieur Fruitier. Lequel de ces groupes rock a gagné le plus de Grammys? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? Vanilli. Oh, c'est comme des Oscars de musique. Ah, bon. Milli Vanilli. Ah, c'est encore les mêmes. Les Rolling Stones. The Villains Penguins.
encore une fois, je vais au pif. Les Rolling Stones, là. Ah, eh bien, imaginez-vous que non. Ah, ben, savez-vous combien que les Rolling Stones ont gagné de Grammys? Ben non, je ne sais pas. Mais je sais qui en a gagné le plus. Ils en ont gagné zéro. En fait, il y en a eu un, c'était l'hommage à carrière. Qui en a gagné le plus, là? Henry Mancini. Eh bien, ça vaut pas de points, mais tu peux garder tes trois doigts comme ça. D'accord. Claude Rajot. Mais qui c'était dans la liste? Villains Penguins et Zébulon, c'est deux groupes québécois, Villains Penguins et Zébulon. C'est le pire groupe au monde. Ah, c'est vrai, oui. Qui vole des chars à cette heure, je suis très heureux. Claude Rajot. Qui a obtenu le plus de rappels? Maria Callas en 1958, Luciano Pavarotti en 1988, Caruso en 1890 ou la Ford Escort en 1983 pour son problème de suspension. Non, 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 mais moi je dirais Caruso. Caruso, eh bien non! Non! Monsieur Fruitier, avez-vous... Lui, il ne chantait pas encore à ce moment-là. Monsieur Fruitier a droit de réplique? Ben, savez-vous que je ne sais pas, je veux dire n'importe quoi, Maria Callas dans son... c'est Luciano Pavarotti. Ah oui, vraiment? 165 rappels, le public a applaudi pendant 1h07. Eh bien, il a été battu à Bayreuth. Par qui? Par la tétralogie de Chéreau. Les applaudissements ont duré plus de 2 heures à la dernière représentation du crépuscule. Alors, enlevez-vous un... rajoutez-vous un doigt. Rajoutez-vous un doigt. Claude, tu peux t'enlever un doigt. D'ailleurs, je m'enlève un doigt. Tu t'enlèves un doigt. D'ailleurs, ça, j'ai eu mes trois enfants. Oui, mais là, tu l'enlèves, c'est moi qui décide. Je peux pas vous dire que votre opéra le plus court n'est pas le plus court non plus. Il y a les opéras minutes, enfin, là, c'est le prétentieux. Ah, mais... les opéras minutes de Darius Milhaud qui durent une seule minute. Oui, mais c'est comme le minute, c'est pas du vrai, monsieur. Une question pour vous. Elvis Presley a remporté 3 Grammys dans sa carrière. Ils étaient tous dans la même catégorie. Laquelle? Meilleur disque d'aérobie, meilleur disque country, meilleur disque rock ou meilleur disque religieux? Ben, là, je connais le nom d'Elvis Presley. Je suis certain qu'il n'a pas fait des choses religieuses. Alors, votre choix? Ben, je dirais rock. Eh bien, non, c'est meilleur disque religieux. Ah, ben oui. Ben oui, parce qu'il a fait des disques de gospel. Et il a même gagné 3 fois pour le même disque. Oui, il trippait là-dessus en premier, mais il trouvait qu'il n'avait pas une assez belle voix quand même pour faire du gospel. Ouais. Ben, j'en apprends aujourd'hui. Il trippait là-dessus ainsi que sur la pornographie, comme quoi c'est pas incompatible. Ben, Claude Rajot. Il est cinéma chauffeur de finale. La symphonie numéro 3 de Gustave Mahler a été écrite en ré mineur, en Sicile, en sol canadien ou en dormant? En dormant, en sol canadien. Non, je dirais en ré mineur. Mais effectivement, c'est la réponse. Quatre doigts. Monsieur Fruitier, d'où vient le nom du chanteur rock Alice Cooper de son vrai nom Vincent Fournier? D'un poème d'Aldous Huxley, The Doors of Perception, du roman de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, du livre de Jean Bournoyer, Alice Robbie, ou d'un jeu de Ouija? Je ne sais pas si vous êtes fantaisie. Sérieux. Ben, moi, je dirais Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles. Eh bien, imaginez-vous que c'est d'un jeu de Ouija. Simple. Et je ne sais pas, oui. Et je ne sais pas si c'est lui qui a fait bouger la table ou la drogue. On ne sait pas. Ah, oui. Dernière question. Attention, t'as combien de doigts? Encore 3 doigts. Moi. 3, moi, alors elle vaut 4 doigts. 4 doigts, il m'en reste. Et je la pose au premier de vous deux qui répond. Qui possède la plus grande collection privée de disques au monde? Stan Keller, Edgar Fruitier, Claude Rajot avec tous les disques que ce soit gratis, ou Pierre Bélan avec les 100 000 copies de son dernier album qu'il n'a pas vendu? Stan Keller, je dirais. Stan, c'est effectivement la bonne réponse. Et notre grand gagnant, c'est Claude Rajot, mais attention, attention, parce qu'après la pause, M. Fruitier va nous mettre à l'épreuve. Oui, après ça va être mon tour, la vengeance de celui qui a perdu, là. Hein? Dans 2 minutes, on vient avec Edgar Fruitier et Claude Rajot a besoin d'amour. Et M. Fruitier, vous êtes porte-parole pour le fameux méga-opéra qu'il va y avoir au Stade olympique. Oui, oui. Turandot ou... Turandot. On peut dire Turandot, on peut dire Turandot, l'un ou l'autre. Turadot, on peut dire Turadot. Oui, parce que c'est un nom fantaisiste, finalement. C'est une princesse chinoise, mais si elle était chinoise, il n'y aurait pas de R dans son nom, ce serait Turandot, hein? Parce qu'il n'y a pas de R en chinois. Et puis, ce n'est pas un nom italien non plus, mais c'est, bien sûr, c'est un conte qui remonte au milieu d'une nuit. La princesse elle-même a existé, hein, à l'époque. C'est vrai? Elle a fait tuer tout ce monde dont on parle dans cette pièce, dans cet opéra. Mais les contes des mille et une nuits, ça remonte dans le Moyen-Âge très loin, racontent l'histoire de la princesse Turandot. Et on en a un extrait, alors on va le regarder. De l'opéra, pas de... Ben oui, mais non, de Turandot. Puccini, on pensait que c'était très...
Pacini qui faisait ça. D'accord, c'est ça. Donc, moi, j'aimerais mieux Motorhead. Ah, ben oui, mais ils ont des micros. Oui, il y a une amplification, c'est que le stade olympique, bien sûr, étant d'une telle dimension que ça demande une sonorisation. Et c'est, j'ai rencontré de monsieur Paquin, qui est le sonorisateur, qui est un spécialiste qui fait ça à travers le monde. Il arrive de Bâle où il a fait la sonorisation de spectacles dans un stade de Carmen avec José Carreras, entre autres. Et donc, c'est un spécialiste de la chose et il m'a fait des démonstrations. Moi, j'étais un petit peu sceptique en me disant, est-ce qu'on va entendre? Est-ce que ça a fonctionné? Ah, c'est formidable ce qu'il a fait. Parce que le son au stade olympique, là où tu es pourri, d'habitude. Oui. Très bien. Ce que j'ai vu, c'est pas fait pour des, des concerts. Là, il faut que tu sois vraiment en avant de la scène, sinon tu reçois le spectacle, là, quelques secondes plus tard, avec la réverbération. Tu sais, ils sont gros, même sur scène, tu sais, même... Oui, mais là, c'est des chanteurs d'opéra, sont gros de même. Peut-être. Monsieur Quigley, vous aviez des questions à nous poser. Ah oui, oui. Mais là, pour reprendre ça, c'est que cette sonorisation me semble être une chose absolument transcendante. J'ai l'impression que les gens vont être étonnés. Mais ça s'améliore, les techniques, justement, avec le temps. C'est passé de très pourri à pourri en quelques années. C'est peut-être en mieux. Mais alors, ma question, on parlait de Puccini. Oui. Vous savez que le premier succès de Puccini, ça a été Manon Lescaut en 1894, mais il avait écrit deux opéras avant. Alors, ma colle, c'est celle-ci, c'est qu'un des deux opéras porte un prénom de quelqu'un que vous devriez trouver. Enfin, et le prénom et la personne. Ah ah! Jojo. Si vous ne le trouvez pas, ce prénom-là, là... Gisèle, vous allez me faire une peine infinie. Gisèle, c'est un ballet. Eh bien, je vais vous donner la réponse. Oui. Edgar! Mais écoutez, oui. Vous n'avez pas trouvé, je pense que je vais pleurer. Mais Claude l'a perdu dans sa collection, ce disque-là. Je crois, oui. Il a d'ailleurs attrapé sa labyrinthite en cherchant ce disque-là. En cherchant Edgar, classé en bas et je l'attrape. Monsieur Pitié, vous savez que vous connaissez la légende du fantôme de l'opéra. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un fantôme à Chaume FM où Claude travaillait? Ah, j'ignorais. Non, j'y travaille toujours, mais c'était dans l'ancienne bâtisse. C'était il y avait une ancienne bâtisse et apparemment le fantôme était présent. Moi, je n'ai jamais eu peur des fantômes, mais il y avait une nouvelliste qui travaillait dans la salle des nouvelles à côté de moi et qui demandait à venir s'asseoir avec moi pendant 15 minutes parce qu'elle n'en pouvait plus vraiment d'être dans la salle des nouvelles. Moi, il m'est arrivé à quelques reprises que je commençais mon émission à 8h pile que le courant lâchait d'un coup sec dans tout l'édifice et s'en prenait dans une fraction de seconde. C'est arrivé à quelques reprises. Et c'est un édifice qui avait été acheté. Le couple, le gars s'était suicidé. On voyait la trace de la balle dans le plafond. Moi, j'ai rencontré un fantôme, bien sûr, aussi, à un moment donné. Je l'ai mis au défi de venir me rencontrer. Il n'a jamais osé. C'était en Martinique et j'étais seul dans cet hôtel parce que, bon, c'était hors saison. Il n'est jamais venu. J'ai entendu chanter. J'ai dit, écoutez, pour une fois que je vais voir un véritable fantôme, présentez-vous devant moi. Jamais chanté des cantiques. Monsieur Quittier, Claude, excusez-nous, parce qu'ici, on a le fantôme de la publicité. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Dans deux minutes, on vous revient à besoin d'amour.